Hello. First, I want to say thanks for all. And my name is Baby. I'm from Ethiopia. I became a lawyer. Bonjour et merci à tous. Et donc, je m'appelle Baby, je viens d'Ethiopia, d'Ethiopie. I lived in France, Calais jungle, 6 months. J'ai vécu pendant 6 mois dans la jungle de Calais. I am the one of immigrants. Avec beaucoup d'autres migrants. After I came to France, nobody said welcome for me. Quand je suis arrivé en France, personne ne m'a souhaité la bienvenue. That's why I live in jungle Calais. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à vivre dans la jungle de Calais. We live in the jungle in a bad situation. Dans cette jungle, on vit dans une mauvaise situation. Nobody cares about us. Personne ne s'occupe de nous, ne se préoccupe de nous. There is many nationalities living in the jungle of Calais. Il y a de très nombreuses nationalités différentes de gens qui vivent dans cette jungle. We are coming, all immigrants coming to save their life. Et donc tous on est venus pour sauver nos vies. If we live in our country, we die quickly. That's why we are coming here. Et en quittant nos pays, on a beaucoup qui sont morts rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là-bas. Qu'on s'est retrouvés ici. But in France, we die slowly because nobody cares. Et donc dans nos pays, on pouvait mourir rapidement. Ici en France, on meurt doucement parce que personne ne se préoccupe de nous. Why we die slowly? Because nobody cares. Nobody gives us anything. Et pourquoi on meurt doucement? Parce que personne ne s'occupe de nous ou de notre survie. Personne ne nous donne rien. There's a lot of associations to take care about us. Il y a beaucoup de, il y a des associations qui s'occupent de nous. It's not enough. Mais ça ne suffit pas. That's why we try to cross that bad and dangerous border. Donc c'est pour ça qu'on a, on se retrouve à essayer de passer les frontières. We try to get asylum in France. Malgré le danger, on essaie de nous amener nous-mêmes en France. Many immigrants they get rejected. That's why we are afraid to live in France. Beaucoup de migrants se font rejeter, expulser de France. C'est pour ça qu'on a peur de venir en France. The situation in Calais, the treatment of police is so bad. Et aussi parce que dans un endroit comme la jungle de Calais, le traitement policier est juste horrible. They give us every day the gas. On se fait gazer tous les jours. If we try to cross the border, they give us the gas. That's why many people die in the border. À chaque fois qu'on essaie de passer la frontière, on se fait gazer. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts en essayant de passer la frontière. We sit in our tent. Also, they give us the gas. I don't know what they call it, the gas of the name, but that's so hot. Et ce gaz, je ne connais pas son nom précis, mais c'est quelque chose de très chaud et très très désagréable. We don't have any right. We try to ask our right. We ask where are the human right in France? On n'a aucun droit, on essaie de connaître nos droits, mais voilà, personne ne peut nous renseigner dessus. We make many demonstrations to ask about our rights, but the police stop us. On a organisé beaucoup de manifestations pour essayer d'affirmer nos droits, mais la police nous a stoppés à chaque fois. They say I'm a lawyer, I see the woman's situation is bad, that's why I lost my country. I'm coming to Calais. I see the same shit. Alors je suis avocate et je suis partie notamment parce que la situation des femmes est très mauvaise dans mon pays et je vois en arrivant à Calais que la situation des femmes est pas vraiment meilleure. We ask many times about the immigrant right, but nobody give us answer. On a beaucoup de fois soulevé la question des droits des migrants et personne n'est capable de nous répondre. Personne veut nous répondre. We ask, where is our home? Where is our educated? Where is our paper? Nobody cares. Quand on pose la question d'un logement, de l'éducation, des papiers, personne ne répond et personne ne s'en préoccupe. All immigrant question, after we arrive in France, who say welcome for us? Nobody. Et donc ce qu'on se dit après un séjour ici, c'est qu'il faut compter sur nous-mêmes, parce que personne nous aidera à avoir ce qu'on mérite. That's why we cross that bad danger. So
Now the situation more bad. The winter coming, a lot of women, pregnant women and children living, more than 700 women living in the jungle. Donc il y a une situation qui se dégrade encore à Calais avec l'arrivée du froid et la période hivernale, avec beaucoup de femmes, y compris des femmes enceintes, des jeunes enfants, qui sont exposés de manière très dangereuse. Now the situation more bad after the attack, because we didn't ask our rights, we didn't go anywhere, we didn't get the transportation. If we go to the train station to move, nobody give us chance to move. I don't know why. Et la situation est encore pire après les attaques, puisque maintenant on ne peut même pas essayer de s'éloigner, de prendre le train, c'est de plus en plus compliqué. More people, they think wrong. We are immigrants, but they think we are a terrorist. But we are not. That's why we can't live in this place. Et beaucoup de gens pensent qu'on n'est pas simplement des migrants, mais qu'on est des terroristes, alors que c'est pour beaucoup justement pour fuir les terroristes qu'on est parti. We are immigrants. We ask the paper, we ask the home, and we ask everything. So we didn't get. That's why our life is dangerous in the jungle. On est des migrants qui se battent pour des papiers, pour une maison, pour des droits, et c'est pour dans le cadre de ce combat-là qu'on s'est retrouvé à vivre dans la jungle de Calais. Everybody, if you see the jungle, nobody can live there. Nobody, but we live because we are coming to save our life, and we ask, but nobody answer for us. Now we need support, we need help, because a lot of people they try to support us. Il suffit de voir la jungle de Calais pour voir que c'est un lieu invivable, et pourtant on vit là-bas, et parce que voilà, parce qu'on n'a pas le choix, et donc on se bat pour des droits et on a besoin de soutien. How long we stay without any care and responsibility? How long? That's our question. Donc la question qu'on pose, c'est pendant combien de temps est-ce qu'on va nous laisser vivre dans ces conditions-là, sans solution? Maybe nobody know. I don't know. Maybe they didn't tell in the news. There's a lot of women and refugees die in the train station. We try to collect all the picture because we die in the train station because of the police gas. My friend, she died one night because of the police gas. So we are afraid, really. Sometimes we think we are not in Europe. We are in Libya or we are here. Sometimes, really, that's our passion. That's my passion also. We are afraid to live in this place. Donc on a peur, tellement peur de vivre dans cet endroit que parfois on a l'impression de ne pas être en France, mais d'être en Libye. En tout cas, c'est le type de question qui nous vient à l'esprit. Et parce que moi j'ai vu une amie à moi qui est morte suite à un gazage policier. Il y a d'autres femmes qui ont vécu la même chose. Donc on se pose la question. I hope so one day the situation will be changed. If the people help us, one day the situation will be changed because we are not coming to die. We are coming to save our life. Mais j'ai l'espoir que la situation change parce qu'on n'est pas venu ici pour mourir, on est venu ici pour survivre, justement. We are human beings, but nobody is with us just like human beings. If we move before 4 days ago, one Sudanese guy, and after there is a demonstration, they say, today, I forget the day, one Sunday there's a demonstration, they say we hate immigrants. I was there, I asked them, why human beings hate human beings? I'm the one of the immigrants, what's our fault? Why you hate us? But they try to kill us. One Eritrean guy also, they rape him. Five white people, he said. We ask him who? Five people, they try to kill him. Thanks to God, he's in the life. But we lose one our brother, he's Sudanese. They try to kill him by car. Why they didn't stop them? We don't know. Il y a même eu récemment une manifestation raciste à Calais contre les immigrants et moi je suis allé discuter avec des manifestants comme d'autres pour leur demander qu'est-ce qu'ils avaient contre les migrants alors qu'on est d'autres êtres humains, évidemment pas de réponse. Et ça m'avait été une manifestation violente, on a perdu un de nos frères ce jour-là et un autre qui a été violé par des manifestants et on ne sait pas qui et c'était violent. Me, absolutely, I left the Calais because of I can't sleep because I'm afraid every night we get that gas, and two times there is a fire,
And who, nobody is responsible about us. The woman, the man beat the woman. We go to ask the police, please. The woman, she started to die. Please help us. We don't care. That's not our business. So, who is responsible about us? The police don't care about us. Who he care about us? That's our question. Donc la question qu'on pose, c'est qui se préoccupe de nous, puisque la police s'occupe pas de nous, et même hostile et dangereuse, et que voilà, qu'on laisse faire la situation qui est dangereuse. Okay, thanks to all, but we are the last question. If you don't need us, please give us a freedom of movement, because we are human beings, we are not animals. Animals, they have rights. We are human beings. Where is our right? Where is human right in France? We need somebody responsible about us. Give us call, give us educated, give us paper. Or not, if you hate us, please try to give us freedom of movement. That's all of immigrant question. Thank you for all. Merci tout le monde, et pour finir, nous sommes là pour avoir des droits humains, du logement, de l'éducation, et donc soit ici on arrive à obtenir tous ces droits-là, soit si jamais vous ne voulez pas de nous et qu'on n'a pas de place ici, au minimum, laissez-nous la liberté de circulation pour qu'on puisse aller chercher ça ailleurs.